booties never fake. Hey yo les gens, c'est Floating71, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Custom Game Mode. Et on se retrouve en compagnie de plein d'abonnés les gars. On est aujourd'hui 13, on a fait un petit dédicace à eux avant de commencer l'épisode 2. Il se passera également sur Black Ops 2 sur un bon zombie land sur la map Aftermap. Et les gars, je peux vous dire, ça va envoyer du lourd. Mais avant tout, on va faire un petit dédicace aux abonnés. Donc alors, on va faire un petit dédicace à SteelerRock312. Ensuite, il y a dans la partie Exd Slays, donc désolé si je prononce mal ton nom. Ensuite il y a Dez Nuts 32. Il y a ensuite Maxumber Garol. Il y a exactement aussi Z Razer HD, Binezo Gaming, Assassineur 14, Edu Titi, Maisha Brit 2345, Brain 256 et Vittorio Gun alias Killerzone 57 dans la première vidéo je crois et Général Merguez. Putain, lui, il fait péter le barbecue. Allez, les gars, vous êtes chauds, on commence la vidéo. Donc, les gars, j'espère que ce petit concept vous plaira. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire comme la dernière fois. Donc, pour m'ajouter sur mon compte Flotomos pour faire ces épisodes avec moi. Car après, je vais encore faire des autres maps, hein, etc. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, moi, tout ce que je vais faire, c'est quand même tester pour voir si ça marche bien. Avec mon micro, etc., tout le bordel, pour voir s'il n'y a pas trop d'interférences avec ma manette, enfin pas trop d'interférences, s'il n'y a pas trop de bugs avec ma manette, etc. On va commencer tout de suite, donc j'ai montré un peu la map, je l'ai détesté, il est vraiment super cette map. Je connais un peu les cachettes, hein, je vais pas vous le cacher. Donc, j'ai juste modifié. Voilà. J'ai juste modifié et j'ai juste. Viens avec moi, t'es où? Voilà, j'ai juste modifié et j'ai mis les mecs en muet parce que sinon ça allait faire un peu bugger la partie. Donc voilà, là on peut voir que bah, c'est une map Zombieland. Hein. On peut voir que les zombies ont déjà été émis. Donc c'est Zayd Razer qui est un zombie. Donc je vais vous montrer un peu le menu parce qu'il y a eu des changements. Hein. Vous pouvez voir maintenant, je peux faire des choses, méchage menu. Hop, je mets Zombieland, etc. Il y a plein de nouvelles choses, c'est en rose. Donc je vais montrer un peu la map. Donc là on peut voir que tout le monde va là-bas parce qu'il y a un putain de bunker. Je vais vous montrer après. Donc là on va visiter un peu la map. Oh là 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 là, les gars, ça part en couille. Donc les gars, je pense qu'on va recommencer la partie, car je me suis vraiment fail sur ce coup-là, et je voudrais pas... Bon, on va recommencer la partie, hein, les gars. On va recommencer la partie, parce que franchement, ce serait vraiment con de finir comme ça la partie. Donc là, pour voir, je suis un gros rageux, les gars, désolé. C'est juste que je voulais juste vous montrer la map, et j'avais pas envie de me faire tuer tout de suite. Franchement, les gars, désolé pour ceux qui sont dans la vidéo, c'est dommage pour eux, voilà. Mais c'est franchement, je suis désolé, les gars, mais j'étais obligé, parce que sinon, j'aurais pas pu vous montrer la map. Donc voilà, welcome to Zombieland made by Shark. Donc voilà, je vais montrer un peu la map. Donc voilà, c'est la map Aftermap. Donc on va montrer les différentes parties de la map où on peut aller. Donc il y a une partie qui est là, on peut y aller, il faut monter là. Désolé par contre les gars, je suis un peu enrhumé, c'est vrai. Mais je suis allergique au pollen. Donc voilà, là c'est Vittorio Gun, oh non, c'est Vittorio Gun, oh là là, c'est chaud. Donc là on peut voir, il y a une petite caisse, donc c'est un zipline, c'est un téléporteur en gros. Et vous pouvez vous téléporter par exemple sur cette petite base, voilà, comme je viens de faire. Là en plus, on a un petit drapeau pour se téléporter. Hop. On peut se téléporter dans une pièce de la map, comme ça pour éviter les zombies, hop hop hop, on peut les tirer, on peut tout éviter. Donc ça c'est vraiment assez pratique. Donc je pourrais vous montrer aussi une deuxième pièce, qui est la meilleure pièce de cette map, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de pièces dans cette map. Il y a quand même des petits endroits secrets, mais elle est pas très complète je trouve cette map. Donc là juste il y a un truc, je crois bien que c'est une boîte mystère, ah non c'est pas de ce côté. Là on peut voir plein de drapeaux là-bas, c'est parce qu'il y a une boîte mystère. Mais je pense que dans mes abonnés il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cet endroit, donc là il faut monter là. Voilà, là on peut voir une boîte mystère. Voilà, on va l'utiliser. Hop, on attend quelques temps. Et là on peut voir une arme qui va arriver. Si tout a bien marché. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme arme, les gars? Alors, j'ai la MSMC. Donc, une arme que vraiment j'affectionne particulièrement. Et là, les gars, vous êtes prêts? Bim! Le drapeau, le bunker du turfu. Voilà, le bunker en dehors de la map. On peut même fermer les portes, regardez. Attends, je vais essayer de la fermer. Attends, je sais même plus comment on fait pour fermer les portes. Attends. Voilà, j'ai appuyé sur rond. On peut voir qu'elle a 25 de vie. Voilà. En gros, les zombies doivent cutter 25 fois la porte pour la fermer. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Normalement, il y en a deux, si je me trompe pas. Normalement, on peut fermer aussi cette porte. Voilà, hop.
Hop, il y a une deuxième porte qui est fermée. Donc là, les gars, je peux vous dire, hein, les gars, je vous dis tout de suite. Après, là, vous êtes vraiment invincible. Donc moi, je vais essayer de camper un peu là pour faire un putain de score. Car maintenant, depuis la dernière partie que j'avais faite, il y a des nouveaux trucs qui sont sortis, comme par exemple Nuke, etc. Il y a même des nouvelles armes aussi, les Alien Gun, avec le Ray Gun, enfin le pistolet laser, tout le bordel. C'est vraiment superbe. Donc moi, ce que je vais faire, c'est essayer de faire un putain de score, les gars, en votre compagnie. Là, je sais qu'on est que deux là, donc ça passe. Donc je pense que les mecs vont bientôt arriver. Ouais, si je me trompe pas. Oh, le mec il m'a tué. Oh, le mec il m'a défoncé. Oh, les gars, je suis vraiment mais dégoûté quoi. Je me suis fait défoncer. Les gars, attends, il reste combien de personnes? Il reste que 3 personnes. Donc, vous savez quoi? Si j'ai le temps à la fin, je vais tenter de faire une petite partie pour que ça dure un peu plus longtemps. Car c'est vrai que je fais un peu le noob. Donc, là, moi je pourrais montrer en tant que zombie ce que c'est. Donc, dans les menus, on peut avoir le tomahawk, les couteaux balistiques. Désolé. Voilà, désolé pour le pollen, hein, je vous l'ai dit. On peut aussi se téléporter avec 700. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle option aussi pour se téléporter près des zombies. On peut également se régénérer de la vie, être super rapide, invisible, enfin plein de choses comme ça, c'est vraiment superbe. Et on peut bien sûr poser l'insertion tactique. Ça, c'est totalement logique. Voilà, je vais la poser. Donc vraiment, je pense que les mecs sont en train de camper comme des chiens là. Ça, ça m'étonne pas. Alors, moi j'ai la technique, les gars. On va spawn tout de suite là. Hop. On va se mettre là et on va cutter comme des porcs. Voilà mon pote Vittorio a compris. Voilà, hop, on détruit la petite poporte. Et on pourra justement rentrer. Donc là on peut voir, il n'y a plus que 8. Voilà, on défonce tout. Et le mec, je pense qu'il sait même pas qu'on est là, donc c'est tranquille pour nous. Ah bah il m'a tué, c'est pas grave. On va y retourner. Vous savez quoi, on va même prendre le tomahawk. Ah bah c'est déjà fini. Donc je pense qu'en les gars on va relancer une partie parce que c'est vraiment très très rapide. Cette fois les gars, je vous dis tout de suite, hein. On va refaire une partie. Ah bah c'est Vittorio qui a quitté le dernier avec le tomahawk, ce que je voulais faire. Donc là on va refaire une petite partie vite fait. Et sur cette map encore. Et mais cette fois par contre les gars, je vous dis, je vous promets de camper comme un chien. Ok les gars, c'est. Bon, moi c'est sûr que je résiste parce que là c'est vraiment de la. C'était pas beau, c'était vraiment pas beau. Donc là on va relancer la partie, ok. Parce que. C'est vrai que c'était pas très beau. Voilà. Mais bon, moi les gars, maintenant ça peut vous prouver que c'est du live. Hein. J'avais prévu depuis quelques temps de faire cette petite vidéo, donc je vais pas la recommencer une nouvelle fois car j'ai fait plusieurs tentatives, mais ça avait pas marché, il y avait toujours un bug, etc. Voilà, donc une petite dédicace de Assassineur14 avec des petits cœurs, voilà. Oh, qu'ils sont mignons mes petits abonnés. Oh là là. MDR. Donc là, on va refaire la partie. Donc voilà, on va refaire la partie. Et je vais vous montrer aussi des petites options assez marrantes quand t'es l'hôte de la partie. Regardez, par exemple, si on se met hôte de la partie, on peut mettre ça. On peut mettre lobby, donc anti-kit, fast restart, au player, et on peut téléporter les joueurs. Si moi par exemple, les gars, je suis là. Hop, tout le monde est là. Vous voyez, c'est énorme, tout le monde peut être là. Et oui, les mecs, ils sont en haut, tu vois, c'est pas qu'on est en fait, on est en. En fait les gars on est tous dessus, c'est vraiment marrant tu vois. Donc là on peut voir que tout le monde se précipite là dessus, on peut voir les mecs et les campeurs tu vois, les mecs qui veulent camper. Donc les gars j'espère que par contre le son de la manette, parce que j'ai mis ma manette PS4 pour que ça fasse moins de bruit, va pas être trop grosse car sinon ça va être pas agréable à écouter. Hein. Donc si c'est le cas par contre pour le prochain épisode je vais remédier à ça. On va faire une petite technique hein, les gars, j'ai déjà une idée. Alors y a-t-il des personnes par ici? Je pense que non. J'ai l'impression que tout le monde campe comme des chiens par ici. Donc ça veut dire que les gens ils ont compris un peu la technique. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Advanced Vigilance Forge Mode. Ultimate Forge Mode. Forge Ramp. What the fuck? Je crois qu'on peut bouger les objets en fait. Oh la nuque à 2. Ouais, vous voyez $2, faut que j'essaie de me la taper seul. Ah, c'est Swag. What? Vous voyez ce qu'on peut faire, les gars? C'est énorme. Hein. Bon, attends, je vais enlever cette. Voilà, je vais enlever la Forge Mode. Voilà, mais en tout cas, c'est pas mal. Je savais même pas que les gars, qu'il y avait une porte là. Ah, c'est nouveau ça. Depuis la nouvelle version du zombie là. Ouais. Ça c'est vraiment superbe ça je trouve.
Bon les gars, c'est quoi, on va lever la porte parce que bon, on va pas essayer de camper comme des chiens. Nous. Bon allez, on va déjà tuer une personne, c'est déjà pas mal. Ouais, mais voilà les autres, ils jouent même pas, j'ai l'impression. Ah, il y a une boîte. Les gars, j'ai le stress, j'ai pas envie de me faire te direct, tu vois. Parce que j'ai pas envie de faire de la merde en fait, si vous voulez. Enfin, ça paraît logique. On ferme la porte hein, pour avoir plus de sécurité. Normalement, il y a un mec qui est juste là, il doit se dire putain, les enfilés. On va ouvrir la porte, hein, vous savez quoi. On est des fous. Hein. Allez, bim! Ah, il y a une personne qui est morte. Je crois. Ah, donc ça, c'est bien, tu vois. Il y a combien de... Oh, mais il y a que 3 zombies. Oh, elle va être longue la partie, les gars. Elle pourra même durer jusqu'à la fin. Ça va être chiant, ça, par contre. C'est un truc qui est assez dommage. J'aime pas trop quand ça dure comme ça. Sauf faire qu'il y a tout de suite des mecs qui tuent. Bon, les gars, hein, on n'est pas très gentils. Ce qu'on va faire. Putain. Putain, il y a un mec là. Putain, tu vas pas me tuer, t'es ouf, toi. Bon, les gars, là, je vais commencer à un peu avoir peur. Donc, ce que je vais faire, c'est me mettre dans un petit coin. Non! Mais non! Oh, le dégoûté! Putain, mais les gars, j'ai même pas pu vous montrer les armes. Bon, au pire, les gars, c'est pas trop grave. Ce qu'on va faire, c'est on va les décamper. On va les décamper, ces petits campeurs. Allez, on va faire ma petite technique, hein, les gars. Oh, putain, c'est dégueulasse, ça. Alors on va faire la petite technique. Alors on va se mettre tout de suite avec ça. Hop. Putain, il y a un mec qui est dehors, les gars. Vous avez vu? Le mec, en fait, il a rien compris. Mais on peut le tuer facilement. Voilà, bim. X-Zaydraiser. C'est dommage que t'as fait. Hein. T'aurais peut-être pas dû. Oh là là, ils sont tous en train de camper là. C'est vraiment difficile. Très difficile. Vous voyez, ça, c'est un des problèmes des maps. Quand est la personne, comme par exemple Vittorio Gun, qui tue tout le monde, ça c'est vraiment agréable. Mais quand est le zombie, c'est assez chiant. Ça, je peux vous le garantir des fois. Parce qu'en fin de compte, les gens, bah, tu sais, ils savent qu'on va se mettre en dessous. Enfin, surtout lui là. Il a la petite technique, Vittorio. Et en plus, je sais très bien qu'il attend l'arme à 650. Et l'arme à 650, en gros, si vous voulez, bah. C'est injouable après. Faut qu'on y aille tous en même temps, c'est ça le truc en fait. Putain. Oh les gars, ça va être difficile. Allez, ah, Vittorio, ah, putain. En plus, il y a deux portes, quoi. T'es le truc à peine sadique, tu vois. Dès que t'es un zombie, t'as deux portes dans ta gueule, mon gars. Allez, il reste combien? 22. Allez, on va essayer de la défoncer, la petite porte. Allez. Tue-moi pas, putain, mais c'est toujours le même. Il y a que lui qui a compris. Ah là là. En plus, ils ont même pas d'armes. Bon, les gars, on va faire la petite technique de pute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre invisible pendant 10 secondes. Voilà, les gars, ils savent même pas que je suis là. Donc là, moi, je suis. Wow! Mais bien sûr, comment ils savaient que j'étais là? C'est moi, ça? Mais c'est n'importe quoi. Normalement, j'étais invisible. Mais normalement, ça marche à tous les coups. Mais là, il doit y avoir un bug, c'est pas possible. Allez. Il reste 12. Wow, mais il y a personne aussi qui casse la porte. Oh là là, c'était quoi cette connerie là? Le mec il doit avoir un pistolet laser ou je sais pas quoi là. Bon les gars, je vais casser une porte, c'est déjà pas mal. Oh bah bien sûr, j'ai plus d'assistant tactique. Mais le problème c'est qu'en fait les mecs ils sont tous en train de camper, donc en fait ça va être un peu difficile je pense. Ça le gros problème en fait. Ah les gars, je suis quand même dégoûté que j'ai pas pu vous montrer des massacres. Hein. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Voilà, j'ai essayé du live, donc je pourrais pas tout vous montrer. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Mais les gars, je pense qu'on va essayer de faire le fourbe. Est-ce que vous êtes prêts, les gars, à faire le fourbe? Oui ou non? Ah merde! Ah mais on peut pas déplacer les joueurs quand on est en zombie. Ah, c'est dommage. Oh là là, mais non. Mais Vittorio, toi, franchement, t'es vraiment un joli... Comment on pourrait dire ça? J'ai pas vraiment de mots exacts, tu vois, pour décrire comment il est. C'est un fourbe, ce mec, c'est un fourbe. Il n'y a pas moyen de se mettre invisible, invincible ou je sais pas quoi là. Slow humain, pas. 15 secondes, ça sert à rien. Super speed zombie. On va tester ça.
Oh lol, il m'a défoncé. Par la kick-up, j'ai envie de voir ça. Putain, comment j'étais rapide. Ah, il y a moyen, les gars, il y a moyen. On va s'en remettre. Oh, mais il lance des patates, ce mec. Putain, ça... Oh lolo lolo. Il n'y a pas moyen, les gars, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de faire un truc, là. On pourrait se lancer un truc. Ouais, mais même, c'est chaud. En fait, les gars, il faudrait que j'essaie de sang. Il n'y a pas moyen de se suicider quelque part dans cette map. Je crois pas, hein. C'est ça qui est dommage. Il n'y a pas moyen de sauter du mur, là. Oh, il n'y a rien. Bon, les gars, ce qu'on va faire, on va essayer de faire se tuer un maximum en 2023 pour avoir 700 et pouvoir se téléporter derrière lui. Et là, par contre, les gars, il y aura vraiment la mort. Ça, je peux vous le dire. Bon, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Hein. C'est parti. Allez, vas-y. Les gars, c'est comme si on boostait. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pensé à faire ça. Allez, 295, les gars. Allez, 2 minutes, il nous reste. Est-ce qu'on va réussir? Peut-être pas. Allez, allez. Tue-nous, les gars. Allez. Oh, mais le mec, il nous spawn trap, quoi. C'est fou. Le mec, il a combien de kills? 66. Putain, ils sont deux en plus, hein. Ouah, cette tuerie. Oh lolol. Allez, 1 minute 40. Merde. Putain, il m'a tué mon insertion aussi, l'enculé. Vous allez pour les mots vulgaires, les gars, c'est... Ce coup de la rage, des fois, on s'emballe un peu, hein. Oh lolol, le massacre. Il doit être à plus de 100 kills bientôt. 90. Alors que l'autre, il est à 6 kills, quoi. Au calme. On peut regarder. Vas-y les gars, allez. Ouais, faut que j'y arrive. Pouah, monsieur. C'est abusé. Allez. Rentrez les gars. 600, allez. Allez, 615. 655 les gars. Est-ce que vous êtes prêts? 695? Putain, il nous reste. Non! Oh, je suis dégoûté. J'aurais pas le temps. Oh, c'est dégoûtant ça. Il reste 35 secondes. Ils vont gagner la partie. Putain, c'est... Wow! C'est quoi ça? Tactique nuke incoming. Human win. Oh putain, c'est la première fois que je fais ça? Putain, ils ont gagné la partie. Oh là là, je vous ai mis la nuque. Ah bien joué. Putain, c'est la première fois que je vois ça, les gars. Alors, on arrive pas. Zombie win. Il y avait des coups, les mecs. Non, c'est vrai, j'ai les zombies qui gagnent. Moi, ça va être un bug. Le mec, il arrive au drapeau, il se fait des 4 kills. Eh, mais il nous a défoncé avec un 126-1, quoi, les gars. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Donc voilà, ce petit 10e épisode est terminé. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ajoutez-moi sur le PSN Floto Mods. Et n'hésitez pas également à mettre dans les commentaires la map que vous voudrez et le mode que vous voudrez pour le prochain épisode. Donc moi je vous dis à plus tout le monde à la prochaine. Allez, peace tout le monde, c'était Floto.